Bonjour, cher ami licorne. Êtes-vous au courant? Pour le couronnement de la princesse Twilight Sparkle, évidemment. C'est justement là que je vais. Je suis pâtissier et je dois... Non, non! À propos des poneys terrestres. Je sais que leurs récoltes ont été assez mauvaises, mais... C'était pas ça! Ils gardent toute la nourriture pour eux! J'ai entendu le maire d'Appelousa dire que si les licornes et les pégases voulaient manger, ils n'avaient qu'à creuser de leurs propres sabots. Mais c'est affreux! Entre licornes, nous allons nous serrer les pâturons, non? Ah, Chrysalis, j'imagine que ta mission sur le terrain se solde par un nouveau succès. Oh, répandre la discorde entre les poneys terrestres et les licornes est presque trop facile. Nous pourrions vaincre Twilight et ses amis une centaine de fois, mais tant qu'elles auront l'amour d'Equestria pour les soutenir, elles pourront toujours riposter et nous vaincre. Il faut que ça cesse. Plus d'amitié, plus de magie. C'est tellement évident quand on y réfléchit. J'ai accompli ma mission en effrayant les Pégases. Et la longue absence de Grogar m'a donné le temps de préparer la deuxième partie de notre plan. La cloche de Grogar. Cet objet peut voler la magie de n'importe quelle créature et retenir cette magie jusqu'à ce qu'elle soit libérée par ce sortilège. Ce qui signifie que toute la puissance qu'elle détient sera la nôtre quand nous voudrons. Qui vole sur cette cloche? Essayons le sortilège avant que Grogar ne revienne. J'en ai assez d'attendre le plan infernal de ce vieux bouc. Prenez mes mains. Pour que nous puissions tous trois exécuter le sortilège. À moins que vous ne préfériez que je garde toute la magie pour moi tout seul. Notre pacte n'a pas changé. Ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et quand nous aurons vaincu les protecteurs d'Equestria, nous pourrons retrouver nos terres et diriger nos royaumes entièrement seuls comme avant. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un de tendresse, mais pas bien complet. Un peu de magie.